c'est parti pour ce derby ce soir entre Créteil et Ivry. De l'enjeu, une guerre d'ego, mais aussi de l'enjeu dans la course au maintien. Créteil, 14e, accueille Ivry, 13e. Un point d'écart entre les deux équipes et l'objectif de passer la trêve au chaud, bien au-dessus de la zone de relégation. Pour cela, pas le choix, c'est la victoire ce soir. La bonne sortie de Kylian Rigaud, tout proche de l'interception. Zapfel qui va chercher Antonin Mohamed jusqu'à l'aile et la petite roucoulette inversée. Sublime mouvement pour entamer de la meilleure des manières ce derby. Thiago Ponciano pour la révolte, peut-être avec le missile juste au-dessus des bras de Mate Sunic. Il est remporté par David Bernard. Oh, fantastique la finition derrière. Mais c'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. David Bernard qui sent un gros arrêt face à Mario Lopez. Et derrière, l'ailier qui s'en saisit avec une sorte de roucouchab. Rigaud avec la fin de shoot. Mario Lopez. Valentin Hamann encore une fois trouvé. Oh, énorme la finition. Le petit coup de poignet juste au-dessus des bras baissés. Jackie Chor, la passe exceptionnelle pour Valentin Hamann. Il a joué avec les défenseurs. Le régal de ballon déposé à Valentin Hamann qui n'a plus qu'à conclure derrière. C'est fantastique. Martinez les appuie. Welchati le décale là jusqu'à Vorkapic, jusqu'à Petit. Décidément, je ne vais pas y arriver. Antonin Mohamed à l'aile et l'arrêt de Todor Jandrić. Un de plus. Et toujours aussi difficile de trouver une solution. Mohamed, il va s'en inventer une, mais Jandrić encore une fois. 10 secondes avant la fin du premier acte, il va falloir shooter du côté de Créteil. On va porter le ballon jusqu'au bout, non? Butorats qui prend le shoot, il y aura une dernière occasion pour Ivry de recoller à moins 1. Martinez et le ballon qui est trop porté, Robin Tourte qui était le dernier. Au duel, il va réussir à décaler Samuel Dean. Magnifique la finition avec ce tir au ras du sol pour aller chercher le second poteau. Ouais, alors celui-ci par contre au second poteau comme ça, c'est difficile. Et derrière, Samuel Dean qui a récupéré le ballon, il va y aller tout seul et ajuster en lucarne. Il est là à l'avantage de 5 buts pour Créteil. Valentin Hamann, le voici, il est trouvé et la lucarne parfaite. Il est en train de se régaler lui aussi, le capitaine cristolien. Plus 9. Ouais, il y a un décalage de Cré et Cocherie qui va se faufiler dans l'intervalle. Voilà, c'est mieux. Voilà, ici, regardez, l'intervalle, il est sauté. Cocherie derrière, il en profite. Il y a le décalage. Cocherie, la longue passe, ça, c'est bien trouvé. Mais encore une fois, Todor Jandrić, il se trompe. Il se trompe, les Ivriens. Léo Martinez lui a donné le ballon, lui a donné le deuxième arrêt. Mais il n'a même pas besoin qu'on lui donne quelque chose ce soir, Todor Jandrić. Premier arrêt face à Virgil Carrière. Et derrière, le mauvais choix. Ce sont vraiment eux qui ont eu la mainmise depuis. Et puis tout leur réussit. Mario Lopez ce soir, il se régale aussi. C'est surtout en grande partie hein, à cause des 10 premières minutes de ce deuxième acte. Oh, Zapfel, il avait canardé. Mais Todor Jandrić, il a les yeux partout aujourd'hui. L'anticipation. Et le 19e arrêt. C'était un derby que Créteil avait coché plus particulièrement. En tout cas, les Cristoliens sont ceux qui ont le plus répondu ce soir présent. La frustration de Robin Dourte est vraiment
prononcé dans ces dernières minutes.